Nos pays aujourd'hui, au niveau d'une politique diplomatique, regarderont comment soutenir l'Ukraine, comme cela a été prévu en marge du sommet de Vilnius, dans la durée pour donner de la visibilité à nos industriels, donner de la sécurité aux pays, donner aussi à la Russie le message qu'elle ne doit pas compter sur notre lassitude. Nous serons là pour longtemps. L'Ukraine, pour nous, fait partie de la famille européenne et que nous l'accompagnerons sur ce chemin qui l'amène vers l'Europe. Profoundly happy to welcome today in Kyiv the Foreign Affairs Council of the European Union, my colleagues, friends, led by High Representative. This is a historic event because for the first time ever, Foreign Affairs Council is going to sit down outside of its current borders, of the borders of the European Union, but within future borders of the European Union.